Je me suis lancée dans le projet S'aventurer de l'univers grâce à une collègue, Émilie Dib, que vous pourrez retrouver dans le MOOC Éducation par la recherche, climatologie à l'école. Émilie avait participé cette année-là au S'aventurer des glaces et j'avais été épatée par tout ce qu'elle avait fait avec ses élèves. Leur travail sur le changement d'état de l'eau, la flottaison des icebergs, les conséquences de la montée des eaux, la communication et les échanges avec un climatologue, notamment par visioconférence. Je trouvais que le compte-rendu de leurs travaux lors de la journée de présentation donnait du crédit à leur travail et les confrontait aux travaux des autres.